Lorsqu'elle était enfant, Joanne Lalubega souffrait fréquemment de paludisme, une des maladies les plus meurtrières en Ouganda. Consciente des ravages que cette pathologie peut causer dans sa communauté, elle a mis sur pied une entreprise spécialisée dans la fabrication de savons anti-moustiques de longue durée. Quand j'étais enfant, je souffrais souvent de paludisme. J'ai donc grandi avec cette motivation qui est de lutter pour prévenir cette maladie. C'est ainsi que je suis entrée à la Social Innovation Academy pour me former. Même si cela me semblait impossible, j'ai trouvé les moyens d'y parvenir. Joanne Lalubega vend ses savons avec une marge élevée dans les complexes hôteliers et les hôtels haut de gamme. Avec ce commerce, elle subventionne le produit aux habitants de sa communauté locale en le vendant au même prix que les produits de nettoyage ordinaires. Avant de commencer à utiliser ce savon, les enfants étaient régulièrement atteints de paludisme. Ils avaient le matin plusieurs marques de morsures sur le corps dues à des piqûres de moustiques. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ils n'ont pas de marques sur leurs bras. Je ne me bats plus pour acheter des médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Ouganda a l'un des taux de transmission du paludisme le plus élevé au monde, en Afrique orientale et australe.